Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, je ne vous présente plus Christelle qui est notre psy secret de filles. Christelle, nous avons ce soir Sarah. Oui. Sarah, elle a 16 ans. Et Sarah, en fait, elle est dans un grand dilemme. Elle a besoin de toi. Sarah, un garçon est amoureux d'elle. D'accord. Elle ne l'aime pas. D'accord. Elle ne sait pas comment faire, comment lui dire qu'elle ne l'aime pas sans le vexer. Ah, oh bah ça c'est gentil. Alors je t'explique, tu ouvres la porte et tu le fous dehors. C'est ça. En fait, peut-être être un petit peu moins radicale. Peut-être qu'elle a envie de le garder en amie. Ben, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'elle te pose la question, comment est-ce qu'elle pourrait réagir, quoi. Alors en plus, elle est certainement extrêmement sensible puisqu'elle se préoccupe du bien-être des autres. Donc, j'espère qu'il va être comme ça avec toi. Hein. Pas envie de le blesser. Donc c'est... Ben voilà, moi je trouve ça génial déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Bravo Sarah. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Alors le mieux, c'est qu'elle soit honnête. Parce que tant qu'elle ne répond pas vraiment, c'est là qu'elle laisse en fait l'ambiguïté et que du coup, lui va pas savoir. Il se fait des idées, tu vois. Ben, il peut, du coup. Si elle n'ose pas lui dire, finalement, il doit se dire, ah ben peut-être qu'elle sait pas, peut-être qu'elle est pas sûre, alors du coup, j'ai mes chances. Et du coup, elle entretient finalement l'amour qu'il a pour elle. Voilà, donc je pense que le mieux, c'est de pouvoir lui dire les choses.